Poisson, une perche. Une perche qui vient de sauter sur le déraboule. Et ben voilà. Bon, ben c'est déjà pas capot, hein. Une belle petite perche. Une belle petite perche qui vient de sauter sur le déraboule. Voilà, bouge pas ma grosse. Petite perche de 25. Voilà, ça attrape même de la perche le déraboule. Et ben voilà, et ben c'est déjà pas capot. Allez, go! Encore un fiche, les gars, et c'est un peu plus gros là. Eh ben dis donc, c'est bon ça. Alors c'est quoi ce coup-ci? On dirait un petit cendre. Ouais. Petit pike. Ben voilà, de l'un derrière l'autre, une perche, un pike. Eh ben c'est parfait. Allez, viens là, mon gros. C'est pas gros, mais voilà un petit pike, 25. 35, 30, 35 à peu près. Eh ben c'est bon. Eh ben si ça commence comme ça, c'est parfait. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Allez, go, mon gros. Allez, hop. Bah. Impeccable. Bien parti. Bon, c'est du petit, mais c'est toujours ça. Salut la team. Ben, une petite partie de pêche qui commence assez bien quand même dans l'ensemble. Donc quand je suis arrivé tout à l'heure, donc j'ai fait une perche, j'ai fait un petit brochet de 30-35 et j'ai cassé sur un silure. Je pense que c'est un silure. J'ai aperçu vaguement, mais voilà, je pense que c'est le. Ça a lâché au niveau du nœud. Donc je suis vert parce qu'il devait être pas mal. Ensuite, là où je suis arrivé, donc là j'ai eu un suivi. Donc à peu près 60. Bon, je pense quand même que ça risque d'être une bonne journée pour moi. Donc là je vais faire une petite pause casse-croûte. Parce que j'ai faim, il va être midi. Ouais, il est midi moins 10. Donc je vais manger un petit morceau et puis on va voir ce que ça donne après. Je suis quand même déçu pour le silure, que j'aurais bien voulu sortir. Pareil, là je pêche qu'au déraboule. C'est un leurre qui fonctionne en ce moment pour moi, donc je vois pas l'intérêt de changer. Le problème, c'est que le silure il est parti avec un dérabot là. Et, je suis désolé, Steven, mais c'est ton dérabot qui est parti. Bon, je rachèterai. Voilà, donc, comme je disais, le dérabot, c'est un leurre qui fonctionne très bien. Donc, pour le moment, je ne vais pas changer. Je vais rester au dérabot. Et puis, on va voir ce que ça va donner par la suite. J'espère que ça va être une bonne journée pour moi. Je pars quelques fiches. Bon allez, je vous laisse, je finis de casser la croûte et puis je vous reprends après. Fiche. C'est pas celui que je voulais.
C'est pas celui que j'attendais, mais y est, t'as fini. Bon, c'est pas un monstre, mais ouais, c'est quand même un machin de 35-40 quoi. C'est pas des gros, hein. C'est que des petits. Mais bon, allez, allez, va mon gros. Bon, ben voilà. Troisième poisson. Putain, non, c'est juste derrière. Celui-là, c'est le plus gros, celui-là. Super. Ah, c'est déjà un peu plus gros, là. Ah, c'est bon, ça. C'est déjà un peu plus gros. Un peu plus gros, un peu plus nerveux. Non. Ils sont nerveux quand même. Je le voyais plus gros. Ouais. Je le voyais plus gros. Ah, ils sont vraiment nerveux. Hein. Je sais pas comment je vais le sortir. Oh, il va y arriver. Il va y arriver. Hop là. Ah bah si, un peu plus gros. Oh, c'est petit ça. Ah, c'est petit.
Ah, ça fait quoi? Ça fait 60, ça. 60. Et voilà, mais on va le remettre maintenant. Ah voilà les gars. Un joli paille que de 60. Je pense que c'est celui qui me suivait tout à l'heure. Allez, hop. Sans tomber la gueule à l'eau, ce serait bien. Allez hop. Allez va mon gros. Allez va. Et voilà. Impeccable. Il est parti. Voilà les gars, pour la 4, impeccable. On va continuer, je suis sûr qu'il y en a encore derrière. Je suis sûr que c'est celui qui m'a suivi tout à l'heure, celui-là, celui de 60. C'est bien là, je suis content, je viens d'en faire deux, l'un derrière l'autre encore là. Impeccable. Donc là, je vais continuer et puis, comme je le disais, la journée s'annonce bien. Allez, je vous reprends les gars si je fais des fiches.